chaimu joka data alleluia ni tembera tembera kanesheje avansi mumusara java pache mini vose azuka ne soma machi we koma machi usimutu uweze peli shipite Yesu ichai mujo kandata Aleluya ni muzi Semelea Jane sheje Avansi mungu sara Kaba pashe midi bose Azuka ne sheju ruku Chachete Yara kuye chachete Jano tandu kanya Achiva mikoro kota Chatuwa ikipita Nonu Turida yanda Tumasima kota Tumegenda Koma mashi Usimutu Nese kwemi shimite Suicha imujo kanata Aleluya ni Samera Semere Sheshe, avansi mumusarawa Java pashe mbibi vose Azuka neshe Koma mashi, yeah Koma mashi, puzi mudu Tumese kweli shimite Yesu ichaimu yoga data Aleluya ni mumusarawa Semerera, jane sheshe Avansi mumusarawa Java pashe mbibi vose Azuka neshe Koma mashi Muzi mutu Tumese kweli shimite Yesu ichai mudo kadata Aleluya ni Semerera Semerera Jane sheshe Avansi mumusarawa Java pashe mbibi vose Azuka neshe juru Azuka 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 neshe juru Azuka 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 neshe juru Oh Azuka 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 neshe juru Oh Azuka 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 neshe juru Paneshe Yes, hallelujah. Mashiach shukuru umwami Yesu. Wahaguruka tukamuhimbaza. Twatangiye deja. Yaratsinze Arasuka
dansi koyangi jije amara saranyosa davise yeah davise yeah yangu yegi bitwaro fataram tuhura davise yeah davise yeah dansi koyangi jije La misère, la misère, la misère. Y'a mis quoi là, c'est akira mugenzi wawe muhobere high five akabizu kejejwe byose tujye kuvuga ngo nina amani Pitamaho, Pitamaho, Pitamaho,
Mana ya, it's funny, it's funny,
Thank you.
uhoraho uhoraho mora nangazwa cyane ibyaremwe ibiganza byawe inyenyeri Ibiganza byacu umwami Imana Mami Imana Uriguruwe Uriguruwe parmi nous Abegereye mubakire kwa kundi Que ceux qui sont à côté de vous vous accueillent à notre façon Bwana asifiwe Amen Niki wai hai yomana yawe mbese niki wai kore yomana yawe niki wai hai yomana yawe mbese niki wai kore yomana yawe Amen. L'atterrissage est difficile. Hein? L'atterrissage est difficile en ce jour. Mais je sens que nous sommes arrivés. Tu peux dire bonjour à ton voisin et lui dire que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, quand on me dit que je dois diriger le culte, en fait, je sentais que je devais diriger en français. Et on m'a donné Kofi. Alors, vous comprenez. Le royaume des aveugles. On change. C'est vrai. Ok, ça va. Bon, c'est fait ça. Amen. Ce Dieu nous a fait beaucoup de bien. Nous sommes dans la dernière semaine des 40 jours. Il y a des gens que je connais, je pourrais dire que ces 40 jours étaient leurs premiers 40 jours. Ils pensaient qu'ils allaient avoir des problèmes. Mais vous savez, 40 jours, c'est pour les juniors. Ce que nous faisons ici, c'est pour les juniors. Il y a pour les seniors. Vous êtes senior. Comme Pasteur Stani nous l'a enseigné qu'il faut que nous arrivions à un niveau où nous allons aussi nous enfermer quelque part et prier pendant 40 jours cherchant la face de l'Éternel. Amen. Alors nous allons donner nos offrandes. Ici c'est la dîme. Nous allons donner nos offrandes. Alors là, c'est pour la construction, mais rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous allons aussi faire une collecte de fonds, comme nous l'avions prévenu. Ne partez pas dès que le culte finit. Teaching
ou bien quand la parole, quand on aura enseigné la parole, rester ici parce que nous devons donner la brique et puis faire la collecte de fonds. Amen. Amen. Mugedutanga maturo. Alors pendant que nous allons donner nos offrandes, dufite spots ari video ICT ateguye. Nago twabashije kubaha live services. On n'a pas pu leur donner un service en direct. Ariko tugerageza kuzishiraho uko bitambuka. Mais quand le culte finit, nous essayons de les mettre en ligne. Hamwe n'Imana turumva ko imbere ko umwaka urangira tuzaba twabisubiyeho. Par la grâce de Dieu, nous espérons que d'ici avant la fin de l'année, nous reviendrons en ligne. La dîme et les offrandes ordinaires qui passent au milieu de vous. Nyuma yaho tugereye ku musozi Imana yaduhaye imasoro tuva mu bukode twari miremera Casa Bonita. Imana yaduhaye umugisha wo kwakira igiterane mpuzamahanga Septena. Iki giterane cyadusigiye ibikorwa byinshi. Niho twabonye sonorisation muri Shekinaho, intebe nziza, decoration nziza, projectors, ibyuma bimwe bya ICT, parking ndetse n'ibindi. Kristo. Bakundwa bana bo mu rugo, bana bo mu muryango, bamaze gukora church maso. Aje jambo nshaka kubashimira. Ibyo mwakoze, ibyo mukora, ndetse n'ibyo muzakora mu nzu y'Imana. Reka twibukiranye ko Bibiliya ivuga ngo umuhate wacu si ubusa mu mwami. Kuko imirimo dukora, turusheho kuyikora ko hari imbarurano. Ndetse Imana iravuga ngo ntabwo ikiranirwa kugira ngo yibagirwe imirimo myiza twakoze ku bw'urukundo rw'izina ryayo ndetse no ku bwo gukunda ubwoko bwayo. Nanjye ndashaka kubabwira ko mbashimira uburyo umwanya itanga. Itanze kandi muzitanga kuri umurimo wawe mu rugero inzu y'Imana irasa neza imbere kubera dekorasiyo kubera kwitanga kubera intebe kubera ngururamajwi kubera gutunganywa yewe no hanze pave yewe na sekiriti imodoka zicunzwe neza n'ibindi biduhesha ishema kuko umuntu akaza aje mu nzu y'Imana adafite umutima utera kubera ubwo bwitange bwayo Imana akorera turashima Imana yaduhaye ababyeyi baturera mu mwuka badahwema kwitanga batuganisha mu mugambi Imana ifite ku buzima bwacu. Ese ko baduhesha umugisha ntidukwiriye kubazirikana mu masengesho no mu bifatika? Mwari muzi ko mami, mama Lydia yihanganye imyaka itatu nta modoka mu gihe twashyiraga imbaraga mu kwimuka. Ariko nubwo yumvaga twakwibanda ku mwenda dufite, twasanze nk'abana bakuze tutakomeza kubyihanganira. Nk'uko dusanzwe tubikora iyo dufite intego duhuriyeho, muze twitange, buri wese uko umwuka muyoboye, duhe mami wacu kado y'imodoka. Tukivuga ibya Septena kandi, mu bikorwa twagezeho hari byinshi bitarishyurwa, kandi muri Evangelical Restoration Church Family ababyeyi bacu batwigishije gufatanya. Gahunda y'itafari ya buri kwezi nayo kandi irakomeje. Turacyishyura umwenda wa bank aho dutanga miliyoni 6,559 buri kwezi, kandi Imana ishimwe ko yakoresheje wowe nanjye. Mu myaka itatu ishize nta kirarane twigeze tugira. Muri izi gahunda uko ari eshatu tuvuze, dukeneye amafaranga 81,865,500. Niba wazanye icyo Imana yagushoboje ku buryo bwa cash cyangwa sheke, Imana iguhe umugisha ushyira muri amverope washyikirijwe. Niba kandi uhiga kuzagira icyo witanga, wandike ku gapapuro kari muri amverope, maze bitarenze tariki 24 z'12, Imana izagushoboze kugira icyo utanga. Bene Data, iri ni ituro ryo kwiyegurira Imana. Dusoza 2015 dutangira 2016, kandi abiyegurira Imana batungishwa muri byose. Imana ibahe umugisha. Bavandimwe ndashimira Imana cyane. Nous remercions l'Éternel très fort. Urabizi, hari ibintu byinshi twavuze hariya. Vous savez, il y a beaucoup de choses dont on a parlé dans le clip. Ariko murumva gutanga 6 millions na deni tugira. Mais imaginez-vous de payer 6 millions sans arriérés. Tout à et sans que cela soit quelque chose de lourd pour nous.
Vous pouvez vraiment applaudir pour nous-mêmes. Bon, c'est fait ça. Amen. Vous l'avez vu. On vous l'avait déjà dit avant. Après la parole de Dieu, nous allons faire cet événement. S'entraîner, j'aimerais accueillir l'apôtre, notre papa, en se levant debout. Je n'entends pas encore la... Applaudissez très fort pour l'Éternel. C'est encore très bas. Ça commence à monter. Yo, tena kandi. Hallelujah. Regarde quoi les kawakundi kwatch. Faites comme d'habitude. Bari minimum achei. 7 au minimum. Thank you. Après, vous pouvez bien vous asseoir. Merci. Que notre Dieu soit loué. À part Franco, les autres c'est encore bas. Que notre Dieu soit loué. Un tiers. Que notre Dieu soit loué. Un demi. Que notre Dieu soit loué. Trois quarts. Que notre Dieu soit loué. Muratsinze. Oh, ça va. Vous y êtes maintenant. Well. Aujourd'hui, nous célébrons la fin des 40 jours. 40 jours de jeûne et prière. Et c'est vraiment un programme où Dieu fait de grandes choses. C'est la 19e fois dans Restoration Church. Et chaque fois, nous voyons les gens aller de gloire en gloire. Alors aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que ces 40 jours se sont bien passés, ça a été rapide. Parce que quand les gens se mettent ensemble, des milliers, des milliers, dans un même programme, et ils le font bien, ils se portent les uns les autres et ça devient plus léger, le fardeau. Alors je vous remercie parce que vous êtes bien tenus pendant ces 40 jours. Et ce que je vous dis encore, c'est que les prières ne s'arrêtent pas. Plutôt nous commençons. Alors à partir de mardi, il y aura une semaine de louange et adoration. Pourquoi? C'est pour que tu ne tombes pas dans le piège d'aller dans un congé après la prière. David a dit que quand le lion attaquait et prenait l'agneau, et lui le suivait et arrachait l'agneau de la bouche du lion. Alors tu ne peux pas prendre l'agneau dans la bouche d'un lion et le lion ne te suit pas.
Et quand le lion le suivait, et lui aussi il se retournait et le déchirait. Prier pendant 6 semaines en train d'arracher à l'ennemi ce qui nous a volé, c'est le premier pas. Prendre la 7e semaine de dire que même si tu essaies de me suivre, je vais te frapper, c'est aussi nécessaire. C'est pour ça que je vous supplie, à partir de demain dans les cellules, le mardi, nous allons célébrer le Seigneur et célébrer la victoire qu'il nous a fait avoir. On va mettre les passages. On va mettre les points où je veux parler. Guhindurwa cyangwa transformation ni nzira umuntu acamo cyangwa se igikorwa gicamo cyangwa se procedure cyangwa steps cyangwa phases cyangwa phase ikugeza ku bwiza waremewe. La transformation est une procédure qui te fait arriver à la gloire pour laquelle tu as été créé. Merci. Tu peux répéter ça en bon français comme tu l'as fait? La transformation sont des procédures qui te font arriver à la gloire pour laquelle tu as été créé. Ce vase qui est à côté de moi ici, c'était seulement de la terre, de l'argile. Un potier a pris cette terre. Atangira gukora procedures zimwe zimwe arabumba igitaka agishyira mu cyondo agira cyakivomerera hanyuma avamwe arakibumba hanyuma aragitwika. Il a commencé, il a fait des procédures, il a mélangé à la boue, il a donné une forme et il a brûlé. Uyu munsi ni nzabya nziza twishimira dushizemo n'indabyo kuko hari aho cyaci hari procedure hari steps hari intambwe byaciyemo. Aujourd'hui, c'est un vase que nous trouvons beau et que nous utilisons pour la décoration parce que ça s'est passé par un processus. Et moi et toi aussi, il y a une raison pour laquelle Dieu nous a créés dont nous ne sommes pas encore devenus. Alors il y a des procédures, il y a des étapes par lesquelles Dieu nous fait passer pour que nous puissions devenir un produit fini et qu'il soit fier de ce que nous sommes. Pour notre Seigneur Jésus, une des dernières étapes, nous croyons que il a cru et guchamo harimurup desurufurgogute. C'est que dans cette procédure, un des chemins, il y avait la mort et la mort sur la croix. Après sa mort, il allait donner à plusieurs la vie éternelle. Vous m'entendez? Il allait donner à plusieurs la vie éternelle. Et pour nous, la dernière étape de notre transformation en la ressemblance de Christ, c'est de haïr notre vie, notre vie d'ici-bas. Ce sont des paroles dures, nul ne peut les louer, mais que puis-je faire? Number two. Deuxième chose. Pour nous, la gloire pour laquelle nous sommes créés, c'est de nous enlever de la nature d'avant, du premier Adam, en mourant par nous-mêmes et en portant la nature de Christ. Dieu nous a créés en ressemblant à l'ancien Adam. Mais son objectif est que nous puissions ressembler au nouvel Adam qui est Jésus. Et
Ces étapes, cette procédure qui nous enlève de l'ancien Adam jusqu'au dernier Adam, c'est ce qu'on appelle la transformation. Nous tous, nous naissons d'un père et d'une mère. Mais nous naissons avec une nature humaine. Et nous rencontrons Jésus-Christ. Nous avalons Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit commence son œuvre en nous. Une fois, il va nous faire arriver à un niveau où ceux qui nous voient voient Jésus. Je vois que vous n'y croyez pas trop. Il va nous faire arriver à un moment où celui qui te voit, il voit Jésus. Mais cela n'arrivera pas si toi, tu n'acceptes pas de mourir et d'oublier qui tu es pour que Jésus soit manifeste en nous. Le troisième point. Cette œuvre de la transformation, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le fait en nous. Il le fait quand nous nous dédions à Dieu, quand nous nous consacrons à Dieu, quand nous nous déversons en Dieu, quand nous sommes déterminés d'aller en Dieu, quand nous nous consacrons à Dieu, en nous donnant comme ceux qui sont morts sur la chair, le monde et le diable. Et cela nous aide à donner la vie et à aider ceux qui nous entourent, qui ont besoin d'aide. Bien-aimés enfants de Dieu, le Dieu que nous prions est galant. Il ne prend pas par force. Parmi les choses que Dieu a fait qui est difficile pour nous, c'est qu'il nous a donné le droit de choisir. Un jour, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, comme il m'est difficile de choisir, est-ce que tu ne peux pas me prendre par force et faire ce que tu veux? Puisque c'est difficile pour moi de faire de bons choix, si tu pouvais agir en moi et tu me prends comme un robot, tu fais tout pour moi. Il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, Masasu, je ne peux pas faire cela parce que l'amour suppose un choix. Nous guitamons. En d'autres termes, je ne saurais pas que tu m'aimes si tu n'as pas le choix de ne pas m'aimer. Ça, c'est bien dit. Tu peux le répéter ça? Je ne saurais pas que tu m'aimes si tu n'as pas le choix de ne pas m'aimer. Cette fille, c'est la femme de quelqu'un d'autre, de Didier Ngurikinfura. Ni madame. C'est une dame. Imaginez qu'elle fasse asseoir son mari, elle dit, Didier, écoutez, si vraiment je t'ai épousé un jour, ce n'est pas parce que j'ai choisi, c'est parce qu'on m'a forcé. Vous savez ce que Didier ferait? Il mourrait évanoui. Jésus ne se réjouirait pas de quelqu'un qui le suit par manque de choix. C'est pour ça qu'il dit ceci. Pourquoi est-ce que Dieu m'aime? C'est que je donne volontairement ma vie. Je le donne par ma propre volonté. Personne ne me l'ôte. Je le donne par ma propre volonté. Je ne sais pas dans quelle langue je vais parler. La chrétienté sans choix, ce n'est pas la chrétienté. C'est un refuge. Une vraie chrétienté, c'est de dire ceci. J'ai 20 ans, 22 ans. J'ai mes deux jambes. Je suis une bonne fille, une belle fille. Même si je vais dans la compétition des Miss, je peux gagner beaucoup.
Je suis bien. Je suis jolie. Quand je passe, les garçons tirent leur coup. Le vendredi, ceux qui ont mon âge et ceux qui ont moins que mon âge, ils dorment dans les boîtes de nuit. Mais moi, je choisis volontairement de passer ma nuit dans la veille de prière chaque vendredi. Je n'ai pas, je suis pas forcé par mon père. Je ne suis pas forcé par ma mère. Ce n'est pas parce que je suis malade, j'ai le sida. Ce n'est pas parce que j'ai l'hépatite. Je le choisis volontairement. Être aimé par quelqu'un qui n'a pas le choix, ce n'est pas être aimé. Parce qu'un jour, il aura une volonté. Oh, I wish I could explain this in seven languages parallel on same time. I mean, icyamanga bivuga mu ndimi cumi bigerekeranye bigendanye. Dieu nous a aimé. Imana yaradukunze. Et il veut que nous choisissons pour lui pleinement, volontairement, sans forcer, ayant la possibilité de ne pas choisir pour lui, choisissant pour lui quand même par amour. C'est ce que Dieu veut. Imana irashaka ko tuyihitamo tukabihitamo ku bushake bwacu tukayikurikira tukabiyayo nubwo dufite kutaba abayo ariko tukabihitamo nubwo bitoroshye ariko tukabihitamo ku bushake bwacu. Dieu se plaît par le fait que nous disons, Seigneur, bien que j'ai le choix d'être mondain et j'en ai les possibilités, Imana, moi j'ai choisi d'être esclave de toi volontairement par amour pour toi. Imana inezezwa nuko wavuga ngo nubwo mfite guhitamo kuba uwisi nubwo nabihitamo ku bushake bwanjye ariko misemo kuba uwawe ku bw'ubushake bwanjye. Je m'offre à toi volontairement. Je m'offre à toi pas parce que je vais mourir demain. Je suis plein de vie, plein d'énergie. Je veux que tu consommes mon énergie. Ndashaka gukoresha imbaraga zanjye. Je veux que tu consommes mes forces. Ndashaka gukoresha imbaraga zanjye. Je ne crois pas aux repentants de dernière minute à CHK ntabwo, et à Faisal. Ntabwo nizera babandi bihana ku munota wa nyuma kuko bagiye gupfa Faisal cyangwa CHK. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Kuko nta mahitamo bafite. C'est maintenant que tu as le choix de choisir. Ubu nibwo ufite guhitamo. Quand j'avais 23 ans, 22 ans, 20 ans, mfite imyaka 22, 22. J'ai dit à quelqu'un, je ne vais pas me convertir. C'est une histoire de vieux, de vieillards, de femmes et des enfants. Et puis des non-instruits qui ne connaissent pas l'intégrale double, triple. Et puis un jour Dieu m'a dit, non, non, mon tu trouves que tu es plus intelligent que moi. Je lui ai dit, oui, je me convertirai, mais à 70 ans. Parce que là, je préparais mon départ correctement. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu pourras faire pour moi à 70 ans? Je lui ai dit, mais je serai sage et grandi, mais au moins j'aurai aussi consommé le monde un peu. Laissez-moi, comme disent les iPhones, aller à Menou, à vous, je ne me fous pas, Angali qui n'amène. Aravuga ngo reka basinsaze nzabandi umuntu ushesha kanguhe ariko niteguye. Et Dieu m'a dit, Imana irambwira, j'ai besoin aussi de tes énergies. Irambwira ngo nkeneye n'imbaraga zawe. J'en ai besoin maintenant que tu es fort. Kandi ndabikeneye ukiri umusore. C'est comme ça que depuis 22 ans je le sais sans tricher, sans hypocrisie. Et je n'ai jamais regretté. Quand il s'est choisi, quand il m'a appelé à temps plein, full time, je lui ai dit, mais je suis un ingénieur. Je suis originaire de Kamembe, pas loin. Mvuki Kamembe.
Là où on a une licence en économie et business à la naissance. Aho ufite licence qui vous mouchuruzi, mouchungamari. Tu peux pas juste être quelqu'un qui dit alléluia, amen, enseigner les gens. Je l'ai dans mon sang. Je peux vendre de l'eau et du bois et devenir milliardaire. Il m'a dit, tu trouves que me servir est une stupidité. Choisis. Aujourd'hui, j'ai choisi. Ça fait 35 ans que j'ai choisi. Je n'ai jamais regretté. Quand je l'ai choisi, mon chef m'a dit, tu ne peux pas démissionner. On vient de te donner 10 fois ton salaire. 10 fois. Et on t'a fait monter de grade. Et puis tu ne peux pas partir comme ça. Ça fait 6 ans que tu n'as pas été élevé en grade. Maintenant tu ne peux pas partir. Elle m'a dit, va réfléchir. Je suis revenu un mois plus tard. C'est le temps qu'il m'avait donné. Je lui ai dit, j'ai réfléchi correctement. Et j'ai choisi. Parce que j'ai choisi il y a 35 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, même si tu me nommes à la part d'Obama, j'ai déjà fait les choix et je suis content de mon choix. Ma prière, c'est midi. Que toi tu t'offres au Seigneur délibérément, volontairement, sans être forcé, avec joie. Quand tu t'offres, alors le Seigneur commence à travailler. Parce que tu deviens une propriété privée. Oh, si j'ai quelque chose à enseigner dans ma vie, j'enseignerai la consécration. Je n'ai qu'un seul mot que j'ai compris de la Bible. La consécration est tout. Et la pauvreté des chrétiens vient de leur pauvre consécration. La faiblesse des chrétiens vient du fait qu'ils ne se consacrent pas totalement au Seigneur. Mais quand ils disent, mais voici Seigneur. Oh, Dieu commence à faire un travail. Un travail parfait dans leur vie. Et je te jure, il fait un travail à telle enseigne. Tu vas t'oublier toi-même. Tu étais colérique. Tu te surprends en train de calmer la colère de quelqu'un d'autre. Tu étais après l'argent. Tu te trouves en train d'être libéré des affaires qui n'honorent pas Dieu. Tu étais un impudique. Tu te retrouves un mari fidèle, honnête. Je te jure, Dieu peut transformer ceux qui acceptent ta voix. Oh, Dieu peut transformer ceux qui acceptent qu'il le transforme. Allons dans la parole du Seigneur. Jean 12, Yohana 12, Jean 12, 23 à 25. Yesu arabasubiza ati, igihe kirasohoye, ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe, vuga ngo ubwiza bwe, vuga cyane ngo ubwiza bwe. Glorifié. Merci. Nukuri, ndababwiye yuko, yakabuto kishaka kataguye hasi ngo gafe, kaguma gute. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Amen. Seul. Vous gagnez seul. Dis seul. Mais s'il meurt, il porte combien de fruits? Merci. Beaucoup. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais. Aidez-moi avec ce qui suit. Mais. Mais. Ou Ariko? Mais. Ariko, mais
Celui qui est sa vie sur cette terre, dans ce monde. Ah, j'aime ça. Celui qui est sa vie dans ce monde. La maman chendere. Celui qui ne s'occupe pas, ne se préoccupe pas de sa vie dans ce monde. Utita kubuzima bwe muri yisi. Azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Il la conservera pour la vie éternelle. Yes, agiye kuzamuka. Jésus allait monter. Il a dit, je vais recevoir la gloire. Mais le chemin qui m'amène à la gloire est renversé. Il commence par en bas. Le chemin d'élévation passe par l'abaissement. Inzira yo kuzamurwa itangirira mu gucishwa bugufi. Si Dieu veut t'amener plus haut que tu es, Imana nibishaka kuzamura hejuru kurenza huri. Il te tire pas haut, il te fait passer bas, alors tu montes bien. Ntabwo ibanza kuzamura ahubwo ibanza kukohereza hasi kugira ngo uzamuke neza. Yesu aravuga ngo ngiye guhabwa ubwiza bwanjye. Dieu a dit je vais être glorifié, Jésus. Agiye kujyaga ngo akabuto kishaka yo kaguye mutaka dafuye. Et il a dit si le grain de blé qui tombe dans la terre ne meurt. Mais madame, ubwiza ngiye guhabwa. En d'autres termes, la gloire que je veux je la recevrai après ma résurrection. Je la recevrai après ma mort. Je la recevrai dans ma mort. Je la recevrai dans mon abaissement. Mais j'aurai comme récompense l'élévation, la gloire. 1 Corinthiens 15:40. 1 Corinthiens 15:40. Ariko ubwiza bw'iyo mwijuru burukwabo nubwo mwisi nabwo burukwabo ubwiza bw'izuba burukwabo nubwiza bw'ukwezi burukwabo nubwiza bw'inyenyeri burukwabo kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri umubiri ubibwa uro kubora ukazazurwa iki aro kutazabura ubibwa ufite igisuzuguriro kuzazurwa umeze ute ufite ubwiza ubibwa utagira intege ukazazurwa umeze gute ufite imbaraga ubibwa uri umubiri wakavukire sajem ukazazurwa ari wiki cya kubyumva ubibwa ari umubiri wakavukire ukazazurwa umeze ute ari umubiri wiki umuka niba hariho umubiri wakavukire hariho n'umwuka uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima naho Adamu wa nyuma ariwe Yesu yabaye umwuka utanga ubugingo ariko umwuka si wo ubanza ahubwo umubiri ni wo ubanza hagaheruka umwuka umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ariwe ubutaka naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru nk'uko uw'ubutaka ari ni kwa butaka ka bose bandi bari kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari umva rero agaparti ka nyuma écoutez la dernière partie gasubimu ka France et de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste oh my god encore de même et que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste. De même que je suis né rwandais noir en Afrique centrale, de même je ressemblerai à Jésus. De même par ma nature terrestre, je suis black. Mais je porterai aussi la nature céleste. L'image de Christ Jésus. Ya kandi nk'uko twabaye twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru uwo ni Adamu bagana bakabiri gatatu 3:16-18 bavuga ngo nyamara iyo umuntu ahindukiye umwami iyo nyegamo ikurwaho nuko rero umwami niwe mwuka kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba iki bivuze cyane là où l'esprit du Seigneur est ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye duhindurwa gusa nawe
tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza. Urabona ko harimo ingingo nyinshi eshatu zigaragara aho ngaho. Il y a plusieurs points comme trois points. Iya mbere, le premier point. Iyo umuntu ahindukiriye umwami. Quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur. Wagendaga gutya. Tu marchais comme ça. Wahaga umwami umugongo. Tu donnais au Seigneur. Wiyobora. Tu te dirigeais. Tu faisais ce que tu voulais. Hanyuma ugahura n'ijambo. Et tu as rencontré la parole. Rikagutikura. T'as frappé. Ugahindukira. Tu t'es tourné. La Bible dit si quelqu'un se tourne vers le Seigneur, quand tu te tournes vers le Seigneur, ce voile est ôté. Il y avait un voile. Quand tu te tournes ici, tu vois. Tu appelles péché, péché. Tu appelles le mal, le mal. Et tu appelles le bien, le bien. Ce n'est pas tout. C'est l'esprit qui donne la liberté. Quand tu as le voile ôté, tu connais la vérité. Quand tu connais la vérité, l'esprit de Dieu, il t'a franchi. Après qu'il t'ait affranchi, il commence à faire une œuvre de transformation en toi. Comme les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu a commencé à agir en eux. Aujourd'hui. 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 Le Dieu des cieux, il commence à agir en toi d'une manière spéciale jusqu'à ce que tu sois surpris par ce que tu es. Même les voisins vont commencer à te demander, mais qu'est-ce que tu es devenu? Et tu manques aussi quoi leur répondre. Qu'ils soient surpris par la manière dont tu es changé. Je ne dis pas de changer d'extérieur ou de grossir, même un voleur peut grossir. Mais je dis la fidélité intérieure. Que tu sois un homme, un mari d'une femme qui va étonner les gens. Que tu sois un papa exemplaire. Que tu sois un commerçant extraordinaire. Un homme faisait peur. Un jour, quand il est sorti de l'église, il était sauvé. Et il a envoyé aux enfants aller chercher ma femme. La femme s'est cachée. Parce que chaque fois qu'il venait, il y avait un box. Il était difficile pour lui de lui dire que l'homme là terrible est parti et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est entré. Il est allé à la porte là où la femme s'était cachée. Et il toquait, il disait, chérie, c'est moi. J'ai changé. Elle dit, comment est-ce que je vais le savoir? Comment je peux le savoir? Il a dit, je suis à genoux. Il a dit, mais je ne te vois pas. Ils ont passé la journée comme ça. Il est allé chercher ses amis. Il est allé chercher le pasteur. Le pasteur est venu. Il a toqué. Il a dit, c'est moi. Il a dit, c'est toi qui? Il a dit, c'est moi le pasteur. Il a dit les noms. Elle dit, tu es avec qui? Elle dit, est-ce que l'homme là terrible, tu es avec lui? Elle dit non. Il a ouvert. Il a pasteur fait. Le pasteur est en. Ça lui a pris 2 heures pour la convaincre que l'homme qui est sorti n'est pas celui qui est revenu. L'église n'est pas là pour vous faire avoir des richesses. Même les voleurs possèdent de l'argent. Même les meurtriers en possèdent. L'église n'est pas là pour guérir vos maladies. Seulement. Seulement.
Parce que même l'hôpital soigne. L'église n'est pas là pour vous marier. Même les jeunettes qui ne sont pas sérieuses prennent les maris d'autrui et sont mariées. Ce qui fait la différence entre l'église et les autres, la raison d'être d'ici, c'est que tu entres en étant un païen, tu entres ça et tu sors en ressemblant à Jésus. Tu entres libre de toi-même, mais tu sors d'ici par Jésus. Tu entres méchant et tu sors ne sachant pas qui tu es. Tu entres avec une certaine image parce qu'ici la raison de ta raison d'être, c'est comme une casserole où on te prépare et Dieu te mange quand tu es bien cuit. Si tu enlèves la transformation, cette église de Masoro, c'est un parti politique qui n'a pas de nom. Si tu enlèves la transformation, vous tous ici, vous êtes prêts à vous insulter et à raconter des calomnies. Ariko la transformation. Mais la transformation, il vous change, il vous enlève de la boue et vous devenez nouveau et vous vous surprenez vous-même et les autres sont surpris par vous. Je bénis le Seigneur car il est, il est capable de le faire et il le veut et il le fait. Si je donne mon micro, vous tous, vous donnez votre témoignage. Il y a ceux qui peuvent courir parce que ce que vous pouvez dire là va les étonner. 2 Corinthiens 8, du premier verset au cinquième. Nuko bene data ndabinginga. Non. Bene data ndaba turabamenyesha ubuntu bw'Imana. Mugire mvuge ngo itoro rya Masoro. Dit l'église de Masoro. Itoro rya Masoro. L'église de Masoro. Yahawe. A reçu. Umvare que la grâce que l'église de Masoro a reçue. Ya. Frère, nous vous faisons connaître la grâce que l'église de Masoro a reçue. Point 2. Et va aller au verset 2. Le verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations. Au milieu des tribulations qui les ont éprouvées. Le mot suivant, c'est quoi? Non, c'est leur joie, que je vous demande. Y a-t-il un lien entre les tribulations et la joie? Je ne pense pas. Sinibaz. Parce que dans de grandes tribulations, il est difficile de dire qu'il y a eu de la joie. Ça, c'est un autre mystère. Dans leur grande pauvreté, pauvreté profonde. Merci de l'appeler profonde. Elle est vraiment profonde. Dans leur pauvreté profonde, un produit avec abondance de riches libéralités. Comme vous êtes intelligent et que vous avez été instruit. Entre la pauvreté et la grande libéralité ou une grande libéralité. Je vais vous donner le médicament pour cette contradiction. Le premier mystère, beaucoup de tribulations ont produit beaucoup de joie. Une deuxième mystère, grande pauvreté, grande libéralité. Now Zamuka. Kuri verset 5. Alors le verset 5. Nous 5 directement. Ya. Icyakora
nibagenje nkuko twibwiraga ko babazabigenza ahubwo babanje jakubiryo jambo non seulement et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté de Dieu. La raison du premier mystère, le premier mystère qui fait que quelqu'un dans de nombreuses tribulations, il en retire une grande joie. Le secret est celui-ci. Celui qui s'est offert à Dieu, quand tu t'offres à Dieu, il te fait chanter un nouveau cantique au milieu de grandes tribulations. Quand tu t'offres à Dieu dans une grande pauvreté, il te permet de donner même au-delà de ce que tu possèdes. Ça, c'est un mystère qui vient du fait de se donner au Seigneur. Paul dit, je vous supplie, bien-aimé, de donner vos corps comme des sacrifices vivants, agréables, parfaits. Les sacrifices. D'abord, sacrifice. Dis sacrifice d'abord. Vivant. Saint. Agréable. Si tu ne le dis même pas Dieu, le pauvre. Alors, c'est notre chapelet. Ça, agréable à Dieu. Quand quelqu'un devient une offrande, un sacrifice, vivant, ça, agréable à Dieu. Même ceux qui ne possèdent pas, il peut les donner. Même au milieu de grandes tribulations, il peut lancer une chanson. Je vais vous donner un exemple. Un homme qui s'appelle Étienne, qui s'était donné à Dieu. On était en train de le lapider avec des pierres. Il était en train de mourir. Quand il a levé les yeux comme ça, il a vu Jésus debout. Au milieu des pierres de l'application, il a élevé les yeux. Ah! Oh! La joie est entrée en lui. Il a commencé à se rappeler que dès qu'il meurt de là, il peut mourir avec la dette de ceux qui sont en train de le lapider avant de le pardonner. Il s'est tourné, il a prié pour moi. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais laisse-moi te dire, celui qui pouvait le secourir dans cette mort, il allait l'insulter. Laisse-moi, tu ne vois rien toi. Parce qu'au milieu de grandes tribulations, il a vu sa raison de joie. Une femme qui va accoucher, elle ne va pas en sifflant. Je le dis des fois parce que je n'ai pas encore accouché, mais j'ai quand même déjà accouché par... Personne ne va accoucher en sifflotant. Je vais accoucher. Toute femme qui va accoucher, il va vous griffer même avec le chauffeur. Mais avec ses cris et ses larmes, comme dans 5 minutes comme ça, le docteur vient ou la sage-femme et dit, courage, tu viens d'avoir une jolie fille. Et il crie de joie. Dans un petit moment, il est en train de griffer les gens.
Dans l'instant qui suit, la même personne, la minute avant. C'est comme ça que Jésus fait. Un blanc est venu ici. En arrivant ici, il a trouvé que vous étiez en train d'adorer. Ça fait longtemps. Je ne sais pas comment j'ai fait comme ça. Quand on lui a donné la parole, il a dit vous ressemblez à des maïs qui étaient de faire comme ça au Seigneur. Et il a dit ce qui l'étonne, qui le fait mal, c'est que vous vous réjouissez plus que chez eux en Angleterre qui n'ont pas connu le génocide. Ce qui le touche, c'est qu'il venait au Rwanda en pensant qu'il va trouver des gens avec des visages fermés qui chantent comme ça. Tu nous as oubliés. Tu il pensait qu'il allait trouver des gens. Il a trouvé des gens qui adorent Dieu. Qui ont trouvé la joie au travers des tribulations. Et il a dit ceci. Il va payer tout, pour toute notre chorale. Pour qu'ils aillent en Angleterre. Ils n'ont pas ils n'ont pas eu de guerre. Mais ils ne savent pas se réjouir comme vous. C'est possible de se réjouir entre les populations. C'est possible. La deuxième chose que j'ai dit, et même pour terminer peut-être, j'ai souvent un problème, et même maintenant je l'ai. D'expliquer aux gens que les bonnes œuvres qu'ils ont faites ici sont faites par vous sans l'aide des Blancs. Certains croient que cette église, quand je vais aux États-Unis, je parle aux Blancs, je leur dis nous sommes finis. Aider le Rwanda avec le génocide et compagnie. Je suis venu en Amérique, au Canada, je suis allé une fois au Canada. Une fois, je suis allé au Canada, j'ai fait donner à l'église plus de 400 000 dollars. Et quand je faisais donner, le pasteur devenait bleu, vert, jaune. Il était inquiet. Dans le cœur, il dit, le Rwanda vient de me prendre l'argent. Il a besoin de 400 000 De 1, il avait besoin de 400 000 dollars pour terminer là où ils étaient au campus, aller dans leur place. Et moi aussi, j'avais besoin de 400 pour terminer Kimisagara. Après qu'ils aient donné, j'ai dit aux chrétiens, prenez l'argent et donnez votre pasteur. Il s'est levé, il m'a dit, sois sûr que tu es Rwandais. Vous l'avez dit, c'est un peu Rwanda. C'est que dans sa tête, il ne sait pas que le principe de Dieu sont partout. Dieu n'est pas un blanc, il est Dieu. Dieu peut te faire posséder même si tu es dans un monde. Dieu est partout. Enfants de Restoration Church, et surtout enfants de Masoro. Soyez fiers de bâtir la maison de Dieu par votre force.
Je ne vais pas mendier. Parce que celui qui va me donner va recevoir la bénédiction et vous posséderez plus. Même les pasteurs, je leur dis vraiment, donne-nous le tuyau, parce que ça ne peut pas être les chrétiens seulement. Et d'autres inventent même des histoires. Si je les dis, vous serez étonnés. Cette église, c'est de son excellence Kagame. Lui-même, il donne de l'argent dedans. Vous ne voyez pas même la route. Il a bâti la route pour lui. La route. C'est l'église du gouvernement. Les paroles qu'on m'invente ici à l'extérieur. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre comment les Rwandais, dans leur pauvreté comme Rwandais, ils peuvent donner librement. Ce qui me réjouit, ce n'est pas que vous allez acheter la voiture de mamie. Vous savez ce qui me réjouit? Savoir que vous pouvez vous asseoir et penser à mamie, ma femme. Vous ne m'avez pas bien compris. Vous pensez comme ma famille et vous dites notre maman. Ce qui me réjouit, ce n'est pas que vous payez les dettes et compagnie, mais c'est de voir un homme comme Kwetu. Il fait les pavés, il prolonge, il fait le parking, il met des pierres. Il ne sera pas enfermé. Ce qui me réjouit, c'est de voir un jeune homme et une jeune fille ici assis. Ils s'assoient et disent, ces chaises, même si je commence la vie. Mais ils ne sont pas dignes de l'espace. Des jolies chaises. Ce n'est pas que vous avez beaucoup d'argent. Ce n'est pas qu'ils ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas un blanc, c'est un noir. Est-ce que vous m'entendez? Et je vous ai dit que je vais parler dans les prochaines tapis. C'est Dieu qui le fait. Alors je termine. Qui est... Avant que je donne, écoutez deux années. La première. S'il y a une dette que tu as de la construction, aujourd'hui elle est terminée. Même si c'est de Kimisagara que tu n'as pas payé. Aujourd'hui dans mon autorité que le Seigneur me donne, elle a été enlevée complètement. Kugira ngo ufate engagement nta kindi kiko
pour que tu prennes un engagement sans... L'engagement que tu as pris avant aujourd'hui, 47, 57, parce que le pape, le Monseigneur, il donne l'absolution. Amen. Vous ne croyez pas. La deuxième chose, on va vous donner les enveloppes. Ils vont vous dire comment vous allez écrire dedans. À cause des trois choses que nous allons dire, la première, nous allons terminer toutes les dettes du septennat. La deuxième, nous allons acheter une voiture pour mamie. L'autre là que vous avez vu, et il va la rouler à Noël. Comment vous dites pas amen? Vraiment, 27, 37 millions, kuri mwebwe ndabembe, n'umwaraka yayigura. Même un seul peut l'acheter. Icyagatatu, la troisième, uyu munsi ni cyumweru cyambere cy'ukwezi kwa 12. Aujourd'hui, c'est la première semaine du mois de décembre. Tureshuri tafari. Nous allons payer la brique. Du kwezi kwa 11. De novembre, avec l'argent que nous donnons chaque première semaine pour que nous puissions être fidèles à la banque. Ensemble, c'est 81 millions et quelques poussières. Si vous donnez 150, je vais acheter le tapis. Et le goudron ici, parce que je ne veux pas voir la boue ici. Ah non, écoute. Et même d'autres lampes. Parce que j'aime la lumière. Et des écrans ici. Pour que vous ne cassez pas le cou. Ça, si tu es ici, il peut bien regarder ici en bas. Il y a maman Ferrari, maman, papa Jérôme. Ils vont s'asseoir et bien regarder l'écran ici, sans avoir besoin de se casser le cou. On va mettre ici. Et un autre avec des annonces qui roulent. Des annonces qui roulent, qui se promènent. Je viens d'élever le budget. J'aimerais demander à Sabin de venir ici. Sabin, mon amour, vous le connaissez. Il nous a donné plusieurs fois des communiqués. Et nous avons déménagé. Merci, Daddy. Il a dit tout ce qu'il avait à dire, il n'y a rien à rajouter. Je n'ajoute rien à ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Fresh, Je suis là. Yeah, papa yabivuze dufite gahunda kandi hamaze iminsi myinshi dusa n'ababitangaza mbere nahoze ntekereza mu gihe bakiri kuducishirizamo iramodoka ya mama papa Edese buriya nahoze ntekereza ntago twatinze kubikorara twaratinze ariko urumva twari dufite priorité zo kwimuka niki ariko nduva iki niki gihe. Amen. Twemeranwa aho ngaho. Reka mbabwire. Reka nkubwire ukuntu twemeranwa. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu nashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen.
Imana yacu ntikererwa imbere y'igihe sije na nyuma yacyo sije cya kabiri buriya ku bantu babaye mu nkambi hari imishinga utashobora gutekereza mu nkambi nta muntu ushobora gufata irembo mu nkambi nta muntu uzigamira abana mu nkambi nta mishinga yo kugura imodoka nta kibanza kirera ibishya gusa ubutekereza ejo hazaza gusa Imana ishimwe ariko iyo baje kwimuka iyo wageze iwawe iyo byose urabitekereza haleluya nicyo gihe rero turanezerewe Imana ishimwe amina ya ushobora kwibutsa abantu uko bimeze se hari amamverope bafite ibintu nk'ibyo ya reka nsabe batwereke iriya gapapuro mwasanze muri envelope badufashe ba projecte karaga papuro yeah so hariya twigeze kubabwira yingi ifite date ntarengwa ya 24 nguko twavuze kuri noheri mami aze hano mu yindi modoka sibyo kandi na deni dufite nkuko twatugira ku itafari na deni tugifite by that date uraza gukata hari hagati uraza kuyikata niba uyazanye washira muri envelope ukazana muri mugitunga ICT bite ICT okay thanks anyuma niba utayazanye urandika amazina yawe urandika telefone na email ugatikinga imwe muri zongizo wabibonye yego ugatikinga imwe muri zongizo anyuma ugahitamo na currency franc rwandais US dollar cyangwa euro niba utazanye niba ayo ushaka gutanga atari aho ngaho ushaka kwandika mu ushaka kubyandikaho ukandika ayo ushaka gutanga kuva kuri 5000 cyangwa na hepfo ushaka ariko nanone no kurenza 10 million biremerewe na cyaha kirimo kabisa sibyo Mwanzi imana turabohoka. Eh kabisa turatanga. Aho mwoka imana ari nuko uri habo mudendeze. Kandi ugatanga uko bishoboye uko byumva uko wabigambiriye kuko ndumva ko nago tubatunguye uretse umushitsi wenda ariko abandi mwari mubizi gahunda sibyo? Hanyuma niba utayazanye ushaka gukata ukagumana ya parti hari iri muri rouge ariko ku papuro byanyu ni noir. Sibyo kubera noir et blanc. Yego. Ariko butaha tuzaba ya rouge. Impamvu uyigumana wibuke ko ari kuri beka kugira ngo niba ushaka kuyashyira muri konti ushobore kuyajyana muri konti urakoze cyane tunibutsa yuko nk'uko mubibona turashaka gutanga kadosiri tu ku mubyeyi wacu ya noheri n'ubunani kuri noheri abana barabambika abana basanzwe barabagaburira utunyama n'uturabo n'utundi dusanatwa twebwe nk'umubyeyi wacu turashaka kumuha kado y'ikibenwe neda eh turashaka kumuha kado y'indi modoka twabonye hari iriya modoka rwose iberewe icanye ku maso turashima imana haleluya ya papa edi birashoboka buri abantu buhuka mu buryo butandukanye hari abantu bishimira cyane kuzaga urupapuro akarwohereza mu gitunga hari abandi bishimira cyane kuvugira kuri microphone bitewe n'ibyo Imana yakoze ku buzima bwe akavuga ati ngiye kubera ibi bintu bavuze haruguru ndifuza kuvuga ndatangaya uyu mwanya nawo sitwawutanga nawe urahari kandi muri kiriya mbere ari umama waje hano na dadi aribagiye ibyo yakoze i Buganda atanga témoignage ukuntu dadi yamubwiye ko abantu bamuruta ibintu ariko we akabaruta Imana bagiye yari umufakazi bagomba kunyaga dadi nago yibukaga aho yabimubwiye atangiye kumusobanurira niho atangiye kubyumva so mikro ni yanyu uyu munsi hano mushobora kwivuga yego amen aha ikindi cya gatatu muri ibyo ngibyo hari abantu nabyo bamenyereye uburyo bwiza bwo kuvugana na papa gusa kuri sms eh nabo birashoboka niyo mpamvu turaza kubaha nimero ye gushobora kongera okay dadi nawe inimero baraza kwishyiraho araba abanikodemu le nikodemu konese nikodemu cela qui viennent la nuit seulement ni joro ni bo ntago baza hano hagaragara bo baza ni joro kubaza ibibazo nabo byose biremerewe vous pouvez envoyer un sms direct on va mettre aussi le numéro de dadi ou de mami si vous voulez faire un don en cachette
C'est permis. Si vous voulez venir parler ici aussi, c'est permis. C'est bien. Umuntu ufite kumva icyo yashaka kuvuga mbere yuko dutanga ubundi buryo twamuha microphone akavuga imbere y'iteraniro icyo yatanga kuri ibintu bitatu ini fundraising ya mbere dukoze yo kwishyura amadeni Imana ishimwe. Amen. Reka nkubwire ikintu kintu. Mugiye bakire kuza kwitanga abavugira kuri microphone reka nkubwire ikintu kintu. Umugabo w'Imana witwa Dawidi rimwe yigeze kugira igihe nyuma y'intambara nyinshi yaciyemo n'ibindi bisa nabyo Imana igira gukira musinziriza arangije gusinzira ngo ujya gukira ngo abari yibutse ari yibuka yibuka abona ahantu ari muri parallel wayari ahita yibuka ukuntu yajyaga arya amateke ya runonko muri runonko yibuka mu ishyamba amahwa y'imishubi yamushingaga yibuka ibintu byinshi yibuka imvura munyagiraga yibuka isinde yitwikiraga agiye kuragira n'ibindi bisa nabyo haje avuga ati hajya ati buryo inzu y'Imana iracyaba kugasoza naho ngewe ariko dore twe twarayizanye Imana ishimwe cyane haleluya zero nta kintu kibi niyo mpamvu ifandraising ifite agaciro nko kuba ufite nta deni rikuriho nta muzigo nta utagenda uca ku rugo rw'umuturage kubera kuba mwambuye rwose niyo mpamvu ifandraising abantu bafite kuvugira kuri microphone ese twababona mugiye bataraza nje ari cyo nshaka wenda abantu badafite enveloppe niba mutarabona enveloppe si vous n'avez pas encore reçu une enveloppe vous pouvez lever votre main on va vous la donner niba utarayibona waza mu kuboko hano hari mushiki wacu udafite enveloppe aba construction na protocol mube hafi na hafi celui qui n'a pas encore reçu d'enveloppe amenez une enveloppe et donnez-leur les enveloppes pendant que vous réfléchissez encore ndashaka kubabwira Kigitunga, ni point de contact. Amen. Ni point de contact. Point de contact, ça ne va pas dire. Moi, je suis au sommet au Shogusoma, je vois un gros, Abaïsraïli Batambutse, Batambuka, Inanji Tukura, Nationt. C'est bien. Alors, il y a un soma. Ushobora kubisoma ugasanga ni nkaho bavuze inkuru isanzwe ndababwiza ukuri dadi ubona hano ari ibintu avuga mukagira ngo abivuze simplement calmement ariko ari ibintu biri sere arimo kuvuga iki gitunga ni point de contact point de contact anyway kugitangaza cyawe we yabitubwiye neza ni urukundo ukiha imana ariko ndababwiza ukuri iyo mana ikora ibitangaza kandi ikavanga ibyo yabivuze ukuri yabivuze ikavanga ubukene n'ubutunzi icyo ari cyo cyose ni Imana bigukoreye so uze kwibuka ko hano ari point de contact no kubomora ibyo Satani ashaka kuguteshamo sibyo ndashaka gusaba abaririmbyi baze impamvu ushaka kubazana niki nivuze point de contact ni point de contact de délivrance point de contact yo gucya ibintu bagushizeho ibintu umwana ashobora kuba gushiraho nagiye ahantu mu rutero muba yuzuyemo aba Nigeria benshi iyo baje gutanga baza bagina kuko bazi yuko hariya ngiye gukora ngiye gucagagura imigozi Satani gahunda ye ni iki kwambura kwisya no ntabwo afite gahunda yo kutunga ntabwo afite gahunda yuko uzatera imbere ibyo ngibi ntabwo birimo ariko mu bintu bibica yego arimo no gukora arimo niki ariko mu bintu bibica arimo n'ukuntu wowe wiha imana ta pauvreté yabivuze hano ta pauvreté est liée à la pauvreté de ta wabyumvise ta pauvreté est liée à la pauvreté de ta consécration tu sais